Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne How to Draw. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner Paper Mario. Donc, on va commencer par le nez. On sent une patate. Voilà. La petite moustache. Voilà. Le menton. C'est une courbe. Voilà, les oreilles qui sont assez grandes, voilà, petit détail des oreilles, le sourire, voilà. La langue, petit trait ici, les cheveux ici, la casquette qui va remonter comme ça, donc on va partir d'ici et descendre jusqu'aux oreilles, voilà. La visière qui va partir de là et qui va faire ça. Alors, là c'est pointu donc c'est pas bon, on va recommencer. Quitte à le faire sur en deux fois, bon, ça m'a l'air bon. On va refermer la visière. Voilà. Le chapeau, on va repartir d'ici. Et redescendre. Là, il est un peu trop écrasé. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus haut. Donc, on va recommencer. Voilà. La bosse en arrière. Voilà. Le sigle M. Voilà. Donc, on va écrire M pour Mario. Qu'on va colorier tout de suite en noir. Voilà. Les yeux, pareil qu'on va colorier en noir. Donc, je vais faire deux ronds. Voilà. Oh là. J'ai un contour en trop. Donc, voilà. On va recommencer. Le rond un peu plus petit, voilà, et la même chose de l'autre côté. Je vais enlever les contours, on va placer l'œil à peu près ici. Alors, une fois que c'est fait, on va continuer avec le corps. Donc, on va partir de là. Un petit bouton. Un deuxième. Le petit haut de la salopette. Le corps. La partie de la salopette. Le pied, la chaussure, pardon, la semelle, le bras qui va arriver jusqu'au nez, donc on peut tout simplement partir de là. Là, on aura le gant. On va fermer son poing, les doigts, le bras de l'autre côté, le cheveu ici, les gants, le pouce,
refermer la main. Petite décoration sur les gants. Voilà, bon coloris. Et la dernière chaussure. La semelle et le petit trait. Bah voilà, c'est fini. On a dessiné Paper Mario. J'espère que vous avez réussi de votre côté. Donc bah, le résultat est assez sympa. Je vous dis à la prochaine. Salut!